du luxe. J'ai laissé des bazookas près du planeur. Sacré nom d'un. Oh punaise, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Medal of Honor, l'offensive. Et attendez, bonjour. Merde. C'est quoi, je charbe? Merde. Bon, la jupe est un peu morte là. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. On est alors rejoint la 90e aéroportée. On est encore en Sicile. Là, c'est la bataille de Gela. Donc, pour petit rappel, on va faire la bataille de Gela. Donc, c'est suite au débarquement des alliés en Sicile. Donc, pendant l'opération Husky, qui était le nom de code des débarquements alliés en Sicile. Et merci. Pousse-toi. Hop là. Donc les alliés à britannique, anglais. Non pas toi. Waouh. Ouais, joli bug. Mince. D'accord, merci. Coucou. Mince. Il s'est fait tuer par... Ah mince, il s'est fait tuer par lui, ok. Les enfoirés. Il s'est pris une balle, quoi. RIP. J'en suis désolé. Donc on se retrouve encore en Sicile. Oui, l'opération Husky, qui est le nom de code. Donc la bataille de Gela. Salut. Ouais. Coucou. Ah, y a pas de discussion comme ça. D'accord. On va y aller alors. Ça c'est fermé. On rentre par où là? Aouh! Waouh! Il y a du planeur écrasé ici. Excusez-moi, on rentre par où? Raté. Touché. Oh! Bombe à Mano? Ah, ces fameuses bombes italiennes! Ouf. Par contre, t'as fond mal. Hein. Putain, mais tu meurs pas, toi. Viens ouvrir la porte. Ok, bon. Première vue. Faut passer par derrière. Donc la bataille de Gela qui a eu lieu entre le 10 juillet 1943 et le 12 juillet, qui a opposé les forces de l'Axe, donc les forces italiennes et les forces américaines et anglaises. Donc les forces italiennes étaient commandées, les forces de l'Axe étaient commandées par le général Alfredo Guzzoni, qui commandait la 10e brigade côtière italienne, la 4e division d'infanterie de montagne, Livorno, donc qui était principalement équipée de Fiat 3000. De chars Fiat 3000, donc des Fiat, enfin des chars boîte de conserve, comme ils les appellent, moi. Et ouais, d'accord, on va où après, je sais pas. Et aussi, comme aviation, il avait sous son commandement la Regia Aeronautica
qui était basé dans plusieurs bases aériennes en Sicile, dont l'une, en plus l'une des bases aériennes, c'est celle qu'on a attaquée juste avant. Et je sais pas ce qu'il faut faire, c'est ça le plus terrible. Il y a la porte qui est là, faut passer par là? Non. Attends, hop. Non, je me suis dit, ouais, peut-être qu'on passe par là. On passe par où, là? C'est quoi ce bordel? Je comprends pas, moi. Bonjour, on a 82e. Elle est là, la 82e. Ils m'ont même pas parlé, les mecs. Je vais me prendre une balle dans le dos, Ah, mon Dieu! Ah, bah putain! On est peut-être plus urgent, pas de là, mais on est sous-équipé. Les renforts ne vont pas tarder. Mais si on peut se faire aider, ce sera pas de refus. Oh non, je me suis pris une balle dans la tête. Ils ont ouvert la porte en bas, d'accord. Ah, d'accord, comment c'est ici? Ah, bah tant mieux, on va aller sauver l'autre alors. Tu ne mourras pas! Avec ton char, je ne sais pas c'est quoi comme modèle là. Non, putain, mais je veux tirer. Genre le mec il me suit avec la tourne à l'œil. Oui, alors là il est en train de tourner. Je suis pas allé voir ici. Ah, le Beretta il est énorme quoi. Je crois que c'est le meilleur pistolet qu'il y a dans le jeu. C'est vrai que j'ai pas regardé s'il y avait des trucs ici. J'ai que 30 balles. Et donc oui, comme je disais, la flotte Aeronautica, donc qui était la flotte qui était l'armée de l'air italienne. Et du côté allemand, c'était, ils étaient dirigés par le général Freido von Zöger. Attends mon pote, je vais essayer de te protéger comme il faut. Ça c'est énorme. Wow, laissez-le. Ouais, j'ai réussi à le sauver. Parfait. Allez, en route. Donc le général Freido von Zöger qui commandait la première division de Fallschirmpanzer Hermann Göring et la Luftflotte 2 qui était à l'époque, il y avait deux Luftflottes, donc c'était l'une des plus grandes flottes aériennes allemandes qui englobait énormément de groupes aériens allemands. Celle-là a été dissoute en 1944. Coucou copain. On essaie de sécuriser le patelin, mais on est sous-équipé. Ce sera pas de refus. Ok. Je veux bien, mais ouvrez la porte au moins. Ouvrez la porte. Oh l'enfoiré. Hop là. Je vais essayer de plus les garder en vie. De ne pas perdre un seul allié. Poussez-vous. Oh merci. Mais arrêtez de me suivre comme un chien, comme des toutous là. Ah, poussez-vous. Ah c'est pas une MG, c'est une bonne vieille mitrailleuse. Ah non, il y a eu un mort.
C'est bon? Par contre, on en a perdu un, fait chier. Attends, c'est qui qu'on a perdu? C'est l'anglais? Oh non, on a perdu l'anglais. Il est mort où? Attends, c'est quoi comme arme s'appelle ça? Une Breda. Une Breda. Aider la 90e à reporter. Bon, ok. Hop. Il est mort où? Où es-tu mort, camarade? Ah, t'as il est sorti comme un noob. Mais pourquoi t'es sorti? J'espère que c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Ah, ouais, la vache. Il fait mal. Oh putain, la vache, il fout mal. Ah non, sérieux quoi. Oh, encore. Non. Ah si, tu m'as vu. Sérieux quoi. Donc j'en étais où? Oui, alors un général allemand. Et du côté des alliés, il y avait le célèbreissime général George Patton qui commandait la première division d'infanterie et la deuxième division blindée. C'est lui qui a fait qui a débarqué ses troupes. Et du côté britannique, c'était l'amiral Henry Kenewit qui a commandé l'escadre qui a permis au débarquement des Américains et des quelques Britanniques. Mais l'escadre de débarquement était sous commandement britannique. Vous pouvez mourir en silence. Merci. Et donc, pour la petite histoire, en Sicile, en fait, si les Américains les Alliés ont autant galéré à prendre la Sicile, c'est qu'ils avaient très très peu de couverture aérienne. Ah, je suis bloqué. Parle plus. Wow, 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 wow. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Là. Désolé si j'ai des Italiens dans mon public, hein. C'est juste une façon de parler, hein. On va garder ça pour plus tard. Poussez-vous, 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 mais poussez-vous, c'est pas possible. Mon gars. Merde, je peux pas. Ah, je crois qu'ils les ont vus. Des pertes? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde se compte, hein. Il en manque là. Ils sont où les autres? Ok, tout le monde est là. Donc oui, pour la petite histoire, donc les Alliés ont eu un gros manque de couverture aérienne pendant cette invasion de la Sicile, parce qu'en fait le
les Britanniques, enfin les Alliés, leur ont alloué que 700 chasseurs Supermarine Spitfire, en plus qu'ils partaient de Malte pour couvrir la Sicile, donc ils partaient de l'île de Malte et l'île de Pantelleria. Donc c'était Pantelleria, c'est une petite île italienne qui est entre la Sicile et la Tunisie, vraiment entre les deux, plus au nord que Malte, que les Alliés se sont emparés parce que c'était quand même un point stratégique. Et donc ils ont refusé de faire une appui aérienne aux forces terrestres parce qu'il y avait trop de bah en fait l'Axe avait encore trop d'avions en service et ils avaient peur d'avoir trop de pertes, ce qui est un peu con, mais bon. Parce qu'en fait, quand ils ont fait l'invasion en Sicile, les bombardements de pré-invasion, donc forcément, à chaque fois qu'il y a une invasion, il y a toujours une préparation avant, donc parachutiste, bombardement ou autre. Et donc, ils avaient bombardé les bases ennemies et ils ont détruit que 175 avions de la Luftflotte, donc de la Luftwaffe. Mais il restait en service encore 418 avions de la Luftwaffe et 449 avions de la Regia Aeronautica, qui étaient basés eux en Sicile. Et donc ça freinait beaucoup l'avance des Alliés. Parce que juste avant, il y a eu l'opération Torche. Et donc pour l'opération Torche, les Alliés, c'était beaucoup plus facile pour eux d'avancer. Parce qu'ils ils avaient une plus grosse couverture aérienne. Et notamment, ils avaient une couverture aérienne des Américains qui avaient à ce moment-là alloué des porte-avions pour le débarquement d'Afrique du Nord. Et ces porte-avions, au moment du débarquement en Sicile, ils ont été redéployés en Atlantique pour aller combattre les U-boats, ou alors dans le Pacifique pour aller combattre pendant la bataille de Guadalcanal. Et donc c'est pour ça qu'ils ont manqué une grosse couverture aérienne à cause du manque de ces porte-avions. Wow. Oh la vache, ils font super mal. Wow. Ils font super mal. Attendez. Putain, j'ai pas pu les sauver, quoi. Ils se sont fait allumer. Il est où? Il est. Ouf, c'est pas possible, il tire avec quoi là? Je suis obligé d'avancer, quoi. Ah, attendez, on va nettoyer la zone. Oh l'enfoiré. Il a fait comme moi. Oh, ça va, les grenades. J'ai pas beaucoup de santé. Oh, mais c'est... Ah. Ok, plus de balles. Super. Tiens, 9 de pack. Oh la vache. Ah, et mes alliés, ils font quoi là? Ils font quoi, mes alliés? Je peux pas sauter par-dessus. Il est où l'autre? Faut que je bouge comme ça là. Ah merci. Et les alliés font quoi là? Ils font rien. Putain, c'est pas possible, on passe par où là-dedans? C'est censé être des bottes de foin, ça? Non mais les mecs, vous pouvez pas m'aider. Non? Ok. C'est quoi? Oh. Ouf.
Tiens, ça, ça t'appartient. Qui c'est qui me tire dessus, là? Non, c'est pas. Je croyais qu'il y a un char qui va arriver, non? Pourquoi, putain, leur mochetto a fait super mal. Mais, vous faites quoi, vous? Bien content de vous voir. Ah putain, j'ai eu peur. On se prépare pour la grande poussée en ville, vous serez des nôtres. Bah oui, 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 je l'ai un peu fait quoi. Allez, vas-y, y a non poussé, ouais. Oh là là, il y a du monde ici. Cool hein. Mais comment ça se fait qu'ils sont déjà morts? On se demande. Bonjour. Comme par hasard, je m'en doutais qu'il y avait un char. Oui, il y avait un canon, c'est pas pour rien. C'est quoi ces canons de merde hein? Mais... la ferme, vous. Ah oui, quand même, il y a du monde. Mais je pense que tes collègues sont... aïe! Possible ces mecs. Très vite. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Y'a un truc derrière ou c'est juste pour visiter? Ok, c'est juste pour visiter. Eh bah punaise. Je me rappelle plus qu'elle était aussi chiante cette mission. Tellement longtemps que j'ai pas fait ce jeu. On va par où? C'est faux. Ah l'enfoiré! Ah le vieux guet-apens quoi. Ah oh. Stop, je vais mourir. Ah genre j'ouvre la porte. Non, ça s'ouvre pas, c'est eux qui m'ouvrent plein de filles. Ah, il y a un mec là. Ah oh, t'as, il m'a fait peur lui. J'étais pas sûr que ce soit une tête. Je me dis c'est un décor. Oh l'enfoiré. Oh merde. J'entends des portes s'ouvrir, ça m'énerve, ça me stresse. Il me faut de la vie. Il me faut de la vie. Putain, j'aimerais bien... Oh, putain, j'ai plus de munitions de ce truc-là. Monte, montez. Cool, j'ai des roquettes, ça me sert pas à grand chose pour l'instant. Ok. S'il y a une mitrailleuse là, c'est qu'il y aura masse de monde. Oh punaise. Oh bah, laisse tomber, les mecs ils sont super précis. Pour la grande poussée en ville, vous serez des nôtres. Oui, bien sûr. Hein. Regardez, je suis avec vous là. Coucou. Partez devant, là. Il y a un char qui va arriver. Bon, c'est naze, on peut même pas détruire le décor. Quoi, faut avancer. Regardez, piège. Oh, il y a un piège. Où on est là? Vite, 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 vite. Mais, je veux prendre ce truc. Feu.
Oh oui, ça c'est pas du bien ça. Merci. Putain, mais pousse-toi, c'est pas possible ça. On me la fait pas, moi. Tu tires sur quoi? Y'a un mec là-haut? T'es encore vivant toi. Bon. Allez. Où ça l'attaco? Vous m'ouvrez cette porte? Salut. Faut arrêter avec les grenades. Y'a un mec, c'est où? Y'a un mec là. Ok, il veut pas mourir. Go! Ah bah il est mort. Garde là ta grenade. Ah punaise, il y a une pointe de munitions là. Oui, c'est ce que je veux ça. Yes. Voilà l'astuce, c'est faut pas que j'aille là. Hein. Sinon je vais me faire plomber. C'est quoi ce bordel? Bon allez, je coupe là et on se retrouve avant de mourir. Alors on se retrouve, bon j'ai nettoyé tout le monde là, sauf que lui il a bugué complètement. Je peux plus. Et puis il veut plus me suivre. Regardez, allez, je m'en vais, coucou. Bon bah tant pis, hein. J'espère que ça va pas avoir une incidence sur la suite. Sinon je vais jamais y arriver. Allez. Bon, voilà, j'ai préservé ma vie au maximum. Et allez. Hop, on sauve, parce que j'en ai marre de recommencer. Hein. Attendez, je suis bloqué. Ouais, tu peux mourir, toi. Bon, on va retenter ici. Hein. C'est bon? Ah, bah il s'est réveillé. Ça va? Le mec, il a attendu que je n'ai tué tout le monde. Munition. Merci. C'est quoi ça? Ah merde, c'est un truc du... D'accord. Du char. Je me demandais ce que c'était. Putain, bah, je suis curieux du village. Ça va me faire un épisode rien que pour ça. Pas que c'est la fin. Oh punaise! Ça, c'est une spécialité des Italiens de sortir nulle part comme ça. Taré quoi.
Ouh, je sens pas cette maison détruite. Je le sens pas du tout. Ok. C'est quoi tous ces trucs fermés là? Attends, on va voir l'étage. Ouh, du mortier. Oh mon dieu, je pense que... Oh là là. Super. Attendez, je tire dessus. Aouh. Je crois que je m'y prends mal. Oh punaise. Mais c'est quoi ces chars là? Meurs toi! Je l'ai détruit. Il me faut des... Ah merci. What the fuck? C'est quoi ces roquettes qui partent en zibouin loin là? Y a plus beaucoup de trucs là pour me protéger. Hein. J'ai plus de roquettes. Je fais comment là? Bon allez, hop, on va refaire. Alors je sais pas s'il faut je me rappelle plus s'il faut prendre les mortiers pour détruire ce truc là en fait. Ah si, il faut prendre les mortiers quoi. En plus ça recharge très vite les mortiers. Allez. Aïe. Bon, moi je vais tirer dessus mais... Ah non, attendez, faut faire ça. Je suis con. Ça les détruit ou pas? Bon, faire des cas. En plus, ces chars-là... Alors, merci à l'abonné qui me l'a dit. Ce sont des chars Anzando P2640. Donc, on va dire le seul char moyen italien. Et j'ai lu vite fait un peu leur truc. Il n'y a eu que 100 exemplaires fabriqués pendant la guerre. Et en plus, ces exemplaires-là... Enfin, tous les exemplaires ont été donnés à l'Allemagne, à la capitulation de l'Italie. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, ça marche pas ce machin, c'est naze. En plus, j'ai pas assez de roquettes pour les détruire, moi. Allez, on va... Mais non, mais je veux bien spammer le truc, mais... Ça marche pas. Ah bah si, ça marche. Oh punaise. Attendez. Vite, recharge. Eh, ils sont sérieux là? Ah, wow.
Allez, tire dessus. Je suis en train de spammer la souris. Lui ou pas? Bon, on va pas les arriver. Oh punaise, il me reste qu'un second. Je vais jamais y arriver. Allez. Ah non, vous n'avez pas. Ah mais ils n'ont pas assez de. J'ai pas assez de roquettes pour pouvoir les détruire. Faut prendre les mortiers. Quand j'ai réussi la première fois, moi, ce truc-là. Alors. Faut que ceux-là, je les détruis avec les mortiers. Absolument, les derniers, faut que je les détruise avec le bazooka. Non, allez hop, tire. Aïe. Aïe! Allez! Par contre, super chiant à utiliser ces mortiers. Hein. Ah, d'accord, je suis trop près. Oh non, j'ai crevé! Bon, ah, d'accord. Ouais, bah d'accord. Alors, il y a des moments où ils me tirent pas du tout dessus, et là, ils me disent, tiens, on va les tirer dessus. J'ai jamais y arrivé. Ah bah je comprends, je me rappelle maintenant que y a un mec qui m'avait dit ouais c'est super dur, je suis mort plein de fois. Je me suis mis bien. Oui tu peux pas m'aider en plus. Et depuis quand on détruit des chars avec des mortiers? Aïe, c'est pas possible ça. Ouf, toi tu commences à me saouler. Eh hey, il est mort. Ah, ah, ah d'accord, un tir et c'est bon, t'es mort toi. Alors attends. Un tir, il est mort. Ok. Enfin un tir. Plus près là. Oh punaise. Oh je l'ai eu. Allez. C'est un super chaud. Mais c'est pas possible ce truc. Encore, je tire. Non, 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 non. Non, oh, c'est pas possible. Vous n'avez pas su repousser la zone des blindés. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. J'y crois. D'accord. Alors, attendez. Là, il faut que je tire comme ça. Aïe. Mais non, mais c'est pas possible ça. On rapproche ton mortier. C'est pas possible. Ah, j'arrive pas à contrôler ce mortier, hein. C'est un truc de fou. Hein. Oh non, je vais pas y arriver. Allez, 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 allez. J'aurais gardé la vie pour plus tard. donc c'est comme ça.
possible ça. Oh non. Ils sont censés pas savoir tirer ces chars. Non, justement, s'ils atteignent la ville, on aura plus de chances à survivre. Hein. Les chars, c'est pas leur domaine, les villes. Oh là, j'y arrive pas. On dirait parfois c'est au petit bonheur la chance. Ah ou aïe 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 aïe. Bon, j'ai tiré une seule roquette, ça va. C'est ces deux-là qui me font chier là. C'est bien qu'on puisse. C'est une vraie mitraille ce mortier. Possible ça. Ah bah pourquoi je tire aussi loin là? Non. Ok. Allez, recharge. Quoi? Non mais je l'ai. Non, oh, c'est pas possible ça. On va jamais y arriver. En fait, je reste appuyé sur la souris. Putain, c'est vraiment pas grand chose, hein. On mitraille. Feu! Touché. Enfin, je crois. Ah, putain, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, ils tombent où, mes mortiers, là? Non! Mais c'est pas possible, ça. J'ai tiré 10 000 mortiers. Ils sont tombés nulle part. Oh, j'en ai marre. Cette partie commence à me saouler. Et la ferme. En plus, j'ai oublié de reprendre le point. Allez! C'est vraiment pas précis ce mortier. Hein. Hey, je l'ai eu! Ah oui, mon dieu. On s'en sort mieux, j'ai pas tiré une seule roquette. Là je vais tirer en prévision. Toi tu meurs. Oh je l'ai touché. Allez. Mais je peux pas tirer plus près. Oh mon dieu. Oui je l'ai eu. Reste comme ça, un peu, hop. Ouais, c'est bon, je l'ai touché, là. Non, trop loin. Allez, plus près. Oui, je l'ai eu. Ouais, non. Allez, recharge. Recharge.
c'est pas du jeu ça, c'est pas du jeu. Oui, j'ai touché. Oh là là, vite, 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 vite. Eh, on tire. Touché. 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 Allez. Voilà, je tire trop loin là, je tire trop près. Je me fais la roquette lui. Allez, allez, recharge, recharge. Apprends à mourir. Vas-y. Touché. Pour vous tirer de là. Ah merci. Oh mon dieu. Après la 10e tentative. Oh eh ben dis donc, je pensais jamais y arriver. Je m'en souvenais pas, c'était aussi dur de ce truc, ce machin-là. Il y a une mission similaire. C'est dans Call of Duty, le tout premier. Il y a une mission similaire en Russie où on doit détruire des chars qui assaillent un bâtiment. Qui était super chiante aussi. Enfin bref, voilà la fin de la mission de Gela. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Et dans le prochain, donc le prochain, il sortira demain, quand ça finira la semaine. Ça se passera en Italie cette fois, si j'ai bonne mémoire, et on va devoir détruire des canons K5. Et après, dernière mission, ça sera au Mont Cassino. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et on se retrouve au prochain. Allez, ciao tout le monde.